Bien, écoutez, depuis les années 2010, les adhérents du CINERPA, qui sont à la fois des EHPAD indépendants, mais également des EHPAD sous forme de groupe, se sont eux-mêmes déployés vers le champ de l'aide à domicile à la personne fragile. Et donc, très naturellement, le CINERPA s'est constitué pour pouvoir accueillir finalement les entités que nos anciens adhérents récupérés au fil du temps. Et donc, au fur et à mesure du développement du secteur, eh bien, les EHPAD et les services à domicile, il nous semblait qu'il fallait impérativement qu'il y ait un pont et un lien entre les deux. Étant représentatif sur la branche de l'hospitalisation privée et des EHPAD, il nous semblait absolument fondamental que nous le soyons également sur le champ de l'aide à domicile, puisque nos adhérents sont maintenant massivement sur ce champ-là. Aujourd'hui, la personne âgée a vraiment besoin, que ce soit en établissement ou à domicile, d'une offre multiservice. Autant en établissement, c'est assez simple de proposer à la personne âgée une offre multiservice qui est d'une offre d'hôtellerie, de restauration, mais également de soins, d'aide à la perte d'autonomie, des services d'animation. Autant à domicile, tous les opérateurs sont extrêmement morcelés et nous ne parvenons pas, parce que la loi à ce stade nous en empêche, de proposer une offre multiservice à la personne âgée à domicile. Nous arrivons donc à un système cornélien où la personne âgée à domicile doit faire appel à une structure pour l'entretien du logement, à une autre structure pour tout ce qui est service d'accompagnement à la vie quotidienne et aux actes essentiels de la vie quotidienne, et puis une troisième structure pour éventuellement les soins qu'elle doit recevoir à domicile, tout en sachant qu'il faut en plus coordonner ces trois entités quand elles existent. Donc ça devient impossible pour une personne âgée à domicile d'avoir simplement le multiservice et les services qui lui conviennent à titre personnalisé en fonction de son parcours de vie. Et donc ce que nous voulons en tant qu'opérateur aujourd'hui, c'est pouvoir déployer cette offre multiservice à domicile. Et pour ça, nous avons besoin de la modification de la loi. Nous avons aussi besoin d'avis du CESE pour faire réfléchir les élus et le gouvernement sur l'opportunité justement de nous permettre de créer une offre multiservice, car il faut modifier la loi aujourd'hui. On en espère beaucoup de choses de la loi Grand Âge Autonomie, d'autant qu'elle est attendue depuis longtemps. On en attend d'abord et avant tout sur le champ des EHPAD, plus de personnel soignant au pied du lit de la personne âgée. Aujourd'hui, nous accusons un retard important en EHPAD au niveau des nombres de personnels soignants par rapport au nombre de résidents accueillis, par rapport à nos voisins européens. Donc il faut médicaliser davantage, avoir plus d'infirmières, notamment de nuit, avoir plus de médecins, avoir plus d'aides-soignantes. Ça, c'est un enjeu majeur. Nous demandons également un big bang de l'offre de l'aide à domicile, un big bang de l'offre et donc une transformation profonde du modèle d'aide et de soins à domicile. Nous demandons des financements pérennes pour les 10 prochaines années. Voilà, nous demandons un décloisonnement profond aussi avec le champ hospitalier et clinique. Donc nous en attendons énormément de la loi Grand Âge.